Mesdames, Messieurs, amis internautes, bonjour. Bienvenue à ce titrologue de ce jeudi 8 avril 2021. Conseil des ministres, nouveau gouvernement, Ouattara fixe le cap et le rythme à ses ministres, titre le journal Fraternité Matin. C'est parti pour un gouvernement de combat et de résultats. Le chef de l'État à propos d'Amadougou Koulibaly et d'Ahmed Bakayoko. La meilleure façon de les honorer, c'est de continuer à travailler. Gbagbo et Blégoudé sont libres de rentrer quand ils le souhaitent, ajoute Alassane Ouattara à la une du journal. Plus de détails dans Fraternité Matin. Gouvernement Hachi 1, il faut aller vite et bien, peut-on lire à la une du journal Le Nouveau Réveil. Madame Kandia Camara aux affaires étrangères, le projet prend forme. Plus de détails dans Le Nouveau Réveil. Nous avons grandi ensemble et nous évoluons toujours ensemble. Main dans la main. Toujours aussi proche et encore plus innovant. Pour vous faire profiter, ainsi qu'à vos proches et à toute la Côte d'Ivoire, des meilleures avancées technologiques, pour une meilleure qualité de service. Banque Populaire, partout, proche de vous. Retour de Gbagbo et de Blégoudé, la Cour pénale internationale ordonne le régime s'exécute. Ce que Ouattara a décidé hier en Conseil des ministres, Stéphane Kipré réagit. Les détails dans Le Quotidien d'Abidjan. Le titrologue pour aujourd'hui c'est terminé. Retrouvez tous vos journaux en ligne via la plateforme monkiosque.com. Merci de votre aimable attention et à demain.